Équilibriste et grand prophète devant l'Éternel, le sien s'appelle Jah, dieu des Rastas jamaïcains, et aussi devant le Black People, le peuple noir, sans oublier bien sûr les quelques blancs branchés reggae, c'est Peter Tosh. Certains le considèrent comme le successeur de Marley, lui aussi. Stay alive and do the best things to stay alive. And at the moment, the situation of reggae is the ministers of the system is busy fighting reggae music drastically. And they are trying to use every form of ways to eliminate reggae from the presence of the people's mind and existence. And that's the same way they tried to eliminate the presence of herb and eliminate the presence of the Rastaman. Because what the Rastaman represents is positivity. À 40 ans, Peter Tosh est le survivant d'un groupe de musiciens jamaïcains des années 70, les Wailers, dont le moins célèbre ne fut pas Bob Marley. Très sûr de lui dans son mysticisme et ses convictions personnelles, il n'a pas hésité, dans cette tournée mondiale, à annuler son passage en Israël quand il a appris que ce dernier livrait des armes à l'Afrique du Sud. Coût de cette annulation pour Peter Tosh, 80 000 $. The message I deliver is just the same message I've been delivering from the first album, Equal Rights and Justice. And people dance to it. Nothing has changed.